Est-ce que tu as une go ou une croche, peu importe? Non, j'ai pas de. Non, t'as une croche. Tais-toi, je pose la question à moi, ok? Mais c'est ça, c'est parce que tu mens. On fait une FAQ, c'est pour dire la vérité. Toi, tu mens. Combien je fais sur YouTube? Entre. Et. Bon, yo tout le monde, soyez bien. On se retrouve juste pour une nouvelle vidéo. Donc là, les gars, aujourd'hui, ça va être une FAQ. La dernière fois, je vous ai demandé de nous poser des questions, là, Bijou et moi. Et puis sur. Discord et puis sur YouTube communauté, il y en avait qui avaient posé pas mal de questions. Donc là, on va y répondre aujourd'hui. On va répondre à tout ça en mangeant du Subway là. Regardez. C'est vrai ou pas, Bijou? Ouais, moi je t'entends. Hein? Quelqu'un qui s'appelle KCKS a demandé combien de ex avez-vous? Combien de ex tu as, Bijou? Je vais commencer à répondre d'abord. Je pense qu'il y en a beaucoup là, il est en train de penser. Moi, non, je pense que j'en ai pas beaucoup. J'ai pas beaucoup d'ex. Selon moi, j'ai zéro ex parce que du moment où c'était en bas de mes 17 ans, 16 ans, je prends pas ça au sérieux, tu vois. Donc, non, mais toi, t'es pas rendu à moi. Donc, mais là, toi, t'as combien d'ex? T'as combien d'ex? Je pense deux. Deux ex? Mais c'est pas au sérieux. What? Non, moi, c'est vraiment pas au sérieux. Donc, je prends pas ça au sérieux. Pour de vrai, j'ai jamais eu quelque chose de sérieux, sérieux avec une meuf. On va aller prendre un autre truc. Une autre paille. Je reviens. Je vais prendre des napkins en même temps parce que... Quoi? Qui a payé? C'est moi? Je m'en fous, non? Sinon, Quoi, je bois seulement comme ça? Mais essuie ta bouche avant de boire au moins, bro. Ok, mais calme-toi. Combien aimeriez-vous avoir d'enfants plus tard? Trois ou deux. Trois? Tu vas te dire 11, une équipe de football, bro? Non. Minimum 3. Maximum 15. 15, ça c'est un bon chiffre pour moi. Parce que ma tête là, il doit avoir des mini mois, il doit en avoir beaucoup. Ok, c'est ça, maximum 15. Tu veux créer une équipe de soccer, bon? Minimum 3. J'ai jamais parlé de l'équipe de soccer, c'est toi qui parle de ça. Okay. J'ai juste dit 15. Aïcha a demandé, c'est quoi ta nourriture préférée et quelle est ta marque préférée? Nourriture préférée, marque préférée. Oh, ma nourriture préférée, quand j'ai des ailes de poulet, bon. Je veux tout le temps manger des ailes de poulet. Ah, des ailes de poulet, est-ce que c'est une nourriture? Parce que peut-être elle veut dire nourriture, genre. T'aimes du riz avec ma sauce, voilà. Ça te fait dire ou pas? Mais sinon, tu dis aile de poulet, vas-y. Aile de poulet et frites. Mmh. Ensuite? Ou des ribs. Des côtelettes. Côtelettes de porc. Ta marque préférée? Nike. Moi, nourriture préférée? Comment c'est juste du riz? C'est pas vraiment de nourriture préférée, c'est juste du riz. J'aime le riz. Avec la sauce et du poulet, là. Bon riz, là. Bien épicé et tout. Et marque préférée? C'est pas vraiment de marque préférée. C'est sûr. Ça me vient pas vraiment. J'aime Nike, j'aime Adidas, j'aime tout ça, mais genre, c'est pas quelque chose que je préfère plus qu'autre chose, tu vois. Mm-hmm. Bijou, c'est quoi ta voiture de rêve? J'allais dire quelque chose, mais non. Non. Sûrement une Mercedes. Quelle Mercedes et pourquoi? CL 250. CLE 250. Électrique, genre? Mm-hmm. Ah, juste. Ok, c'est cool. Une blague. Mercedes. C'est quoi, c'est pas une Tesla, bro? Tesla truck, là, le gros truck, là? Non, rien, non. Ouais. Mercedes. Mais c'est nice. Il est long, hein? Comme il est long? Mais il est pas aussi long que les grosses. Les voitures de montagne, là. Il est pas comme ça? Ou bien plus long que ça, même? Ouais, vas-y. Mercedes électrique. On a vu. Tu pourrais mettre genre une photo. Ah, la Mercedes électrique. Ouais, ouais, ouais. Mais pas la haute, la basse. Ouais. Elle est grave belle, elle est vraiment belle. Elle coûte cher, hein? Avant c'était Tesla, mais tout le monde a ça, genre. Mm-hmm. T'as pas fini encore? Regardez comment il a fini lui et regardez-moi. Je suis encore mon premier là. Tesla, c'est pas vraiment une voiture de rêve. Tout le monde, peut en acheter. Je peux en acheter une moi aussi. Même toi, tu peux en acheter une, tu vois. C'est pas vraiment quelque chose de ouf, tu vois. Tout le monde peut se la procurer. Bon. Donc avant la prochaine question va remplir. Et elle est remplir la boisson avant qu'on continue les questions. Il y en a pas mal, hein. Il reste encore une bonne vingtaine ici, là. Après ça, je vais aller sur Discord. Discord, il y en a à peu près 5. Jusqu'à la fin, si tu veux avoir la réponse à toutes les questions. Vous êtes venu au Canada en quelle année? 2010. Non. On est venu en 2000. Ah, 2009. 2009. Qu'est-ce que tu dis?
On est venu en 2009, fini. Donc je suis né au Canada. Bijou. Qu'est-ce que tu me chies? Tu arrêtes avec ton langage là. Ok, mais qu'est-ce que tu me chies? Je parle à tes potes là. Qu'est-ce que tu me chies? Qu'est-ce qu'elle raconte? Non. Juste pour avoir dit ça, on va poser deux questions avant que tu manges un. Bijou, tu comptes encore jouer au basket quand tu seras adulte? Vous êtes mes youtubeurs préférés. Ça, c'est de Babou Bad de Blue Gaming. Je pense que tu joues dans la Ligue Senior. Quoi? Dans la Ligue Senior. Où on voit les vieux là. J'ai 50 ans, je vais continuer à jouer au basket. Mais je comprends pas. Pourquoi tu te dis que tu vas jouer dans un truc comme ça? Moi, je dis. Même si je suis vieux, je vais continuer à jouer. Ah, ok. Je vais continuer à jouer. Ah, ok. Donc, oui. Ouais. Quand vous allez faire votre évolution capillaire? Aïe, mais moi j'ai déjà enlevé mes locks. Comment nos traits ont évolué, nos cheveux ont évolué? Comment on fait l'évolution de toutes les vidéos? Oh, on montre l'évolution. Ah, oh, c'était tellement petit mes cheveux. Ça, moi c'était petit, j'ai vu la dernière fois une vidéo d'il y a un an là. C'était tellement petit mes cheveux, c'était comme ça. Et là aujourd'hui, regardez comment ils sont. Eh, on devrait faire une évolution ou pas? Mais on peut pas. Mais je fais une compilation de toutes les vidéos, je les mets ensemble. Ouais. Mais ça a duré quoi? Une minute? Ouais, on met une voix off. Je sais pas comment tu veux qu'on fasse. Cops 24, je sais pas comment on va faire ça. Dis-nous dans les commentaires comment tu veux qu'on fasse notre évolution capillaire. Évolution capillaire. Patoche a demandé au 100K, tu pourras offrir une villa au 75e premier abonné, s'il te plaît, et faire un meet-up, une activité. Au restaurant avec les abonnés. J'ai vu déjà Villa là. Ouais, quelqu'un. Ouais, Alan, merci pour la réponse. Il a écrit, tu crois que c'est Mr. Beast? Je suis pas Mr. Beast, frère. Tu crois que j'ai de la thune là? Genre, t'as cru que j'étais. Quoi? Il veut que j'offre une villa au 75e millième abonné et que je fasse un meet-up avec les abonnés et des activités et un restaurant. Ouais, je trouvais de la thune. Peut-être une activité. Peut-être une activité, ouais. Une grosse activité, mais une villa, bon, wesh. C'est quand même offre une maison, bro. C'est une maison, une villa. Alors, c'est comme si. Tu vas me la rue, tu offres une maison à quelqu'un. Mais là, il a dit à un abonné. Mais ouais, okay. C'est ça. C'est ça. Patoche, je peux pas vraiment faire ça. Je suis pas Mr. Beast. Ensuite, c'est ça. Quelqu'un a demandé, est-ce que Bijou va créer une chaîne YouTube car Trésor a créé un compte YouTube? Si je crée une chaîne YouTube, je sais pas ce que je vais faire dedans. Tu peux faire ce que tu veux. J'aime pas trop filmer. Sauf que j'aurais besoin de la filmer H24. Comment? J'arrive pas à me concentrer quand je filme. Donc t'as besoin de quelqu'un qui te filme. Ouais. Qui marche avec toi, t'es comme ça. Oh, regarde ça, regarde. Et tu marches. Quelqu'un a demandé, tu feras quoi après YouTube? Moi? Ouais, merci. Si t'es devenu comme là, t'es vieux là. Ah, t'as comme si je suis vieux? 29 ans. Tu vas continuer, même à 40 ans. En vrai, je pense pas vraiment à ça. Tu penses continuer jusqu'à quel âge? YouTube? Ouais. Je pense continuer jusqu'à. Je pense pas à ça. Je comprends pas. Tu poses une question comme ça. Je pense pas à ça. Oh, je vais continuer jusqu'à 26 ans et après ça. Non, je pense pas vraiment à ça. Je fais juste rester dans le moment présent et je fais ce que j'ai à faire là. Tu vois, j'aime ça. Et pour répondre à la question de je ferai quoi après YouTube, je pense pas à ça. Je pense pas à ça parce que je suis sur YouTube maintenant. C'est ça l'important. Yeah, où t'es aimé? Bien Guy. À part YouTube, quel métier tu veux faire plus tard, Junior? Tout ce que je peux dire, c'est que. Je vais répondre en quelques mois, ok? Je suis déjà là-bas. Je suis déjà plus tard. Et ça continue là. C'est tout ce que je peux dire. C'est parler de YouTube. Ceux qui comprennent, comprennent. Je vais le résumer dans la foi, ok? Je suis déjà là-bas, je suis déjà dedans, je suis déjà plus tard, et puis ça continuera. Plus tard et plus tard. Là, tu parles de YouTube. Mais c'est ça? Attends, tu vas comprendre. À part YouTube. Mais il a dit quel métier tu feras plus tard, il a pas dit à part YouTube. Regarde. Yo, à part YouTube, quel métier tu veux faire plus tard, Junior? À part YouTube? Il y a tout le monde. À part ça? De vrai, je peux pas répondre à ça. Je peux vraiment pas répondre à ça. Pour cette question. J'ai déjà répondu. Je peux pas répondre à ça. Tout ce que je peux dire, c'est qu'on est. Toi aussi, j'ai placé pour quel métier? Bon. Bijou, est-ce que tu es un bacan? Non.
marche pas, d'accord. C'est quoi un backup? Des trucs qu'on voit dans les vidéos là. Attends, je crois que j'ai un exemple. Alors, j'ai pas ça avant. Laisse. C'est genre. C'est quoi? J'ai pas. Genre, c'est un mime? Imo. Ok. Il est dans quelle école? Oh, ça, on peut pas dire ça comme ça. Oui. Yo, vas-y, là. Allez, tant que je veux dire, c'est quoi sa classe, là, aussi, là. Non, je peux pas vraiment dire ça comme ça, là. Mais, sachez le qu'il est d'une école cool, mais j'ai bien envie de le mettre dans une école privée. Ouais. Non, rien. Bref. Est-ce que vous allez venir en France un jour? Ouais. Oui. Et oui, on va aller en France. Tu veux qu'on aille où en France, Bijon? Paris. Non, en fait, pas Paris, les prix sont trop chers. Parce que moi, j'ai tellement envie de goûter la cuisine française, les pâtisseries, les gâteaux, c'est des gros là. Tu vois les trompe-l'œil là. C'est, ouais, j'ai pas un gros c'est pâtissier. C'est cher, ouais. Un gros pâtissier en France. C'est cher. J'ai envie comme de goûter la France. Mmh. De goûter la France. Une nuit de l'hôtel, ça sera peut-être 1000 balles en France, à Paris. Ou j'abuse. Mais si on va genre à une banlieue, comme pas. Parce qu'au Canada, c'est banlieue, genre. Non, dans mais. Les villes à côté, genre pas le centre-ville. Marseille, tout ça. Non, attends, au Canada c'est différent, tu vois. Il y a le centre-ville. Mmh. Nous, on n'est pas dans le centre-ville, mais on est une ville à côté. Mmh. Je sais pas comment ça s'appelle en France. Mais c'est juste ça. J'ai envie d'aller, genre, Paris, peut-être. Une heure de Paris. Ouais, non, 30 minutes de Paris, 20 minutes de Paris. Comme ça, mais... là, on mange. Au tacos aussi, j'ai envie de goûter. Ouais, ça, au tacos, j'ai envie de ça aussi. Mais tu dis que c'est cher. Comme si genre, ça va être 1000 balles la nuit. Ouais, il y a des hôtels. Il y a des hôtels à 1000 balles, c'est vrai, parce que c'est là-bas il y a la mode. C'est centre-ville, ouais. C'est là-bas il y a la mode, c'est oui, la fashion, c'est là-bas il y a beaucoup d'acteurs et tout. Ils veulent aussi faire en sorte que Paris soit accessible à tout le monde, donc vraiment 1000 balles la nuit. Ou nuit. Aussi, il y a beaucoup de scams, de pickpocket. Oui. C'est vrai, dites-le dans les commentaires si c'est vrai. Sinon, ouais, les gars, on va venir en France un jour. Ne vous inquiétez pas, on va venir. Préparez-vous. Quand on va venir, on va vous dire. Est-ce que Bijou pourrait me donner des conseils pour que je puisse réussir sur YouTube? C'est quoi? Il a dit Bijou. Il a dit est-ce qu'il pourrait me donner des conseils? Donc c'est quoi ton conseil selon toi? Vas-y. Selon toi, selon toi, quelle serait la manière pour pouvoir réussir sur YouTube selon toi? Tu dois pas faire YouTube genre pour les vues ou l'argent. Tu dois faire YouTube parce que tu veux comme. Tu veux. T'aimes faire des vidéos, t'aimes partager ta vie. Tu dois être consistant et jamais abandonner. Tu vois, parce que genre dans une vidéo, tu as fait genre 10 000 vues et dans l'autre que tu as fait 200, tu dois dire ah, je vais abandonner tout ça. Tu dois genre toujours être consistant. Ok. Depuis que tu lis, est-ce que tu as une go ou une croche, peu importe? Non, j'ai pas de. Non, tu as une croche. Tais-toi, c'est pour ça la question à moi, ok? Mais c'est ça, c'est parce est-ce que tu mens. On fait une FAQ, c'est pour dire la vérité. Toi, tu mens. Attends, j'ai déjà répondu, Bijou. J'ai déjà répondu. Laisse-moi parler, j'ai pas encore répondu. Why? Tu dis non, j'ai pas de go. What? Est-ce que t'es go, une crush? Go, c'est une meuf. J'ai pas de meuf. J'ai pas de meuf. Mais crush. Crush, peut-être. Peut-être j'ai une crush. Elle s'appelle comment? Ça, j'ai pas besoin de dire ça. J'ai pas besoin de dire ça, ok? Je sais pas. Je sais pas. Donc, en résumé, avant que Bijou ne me coupe, non, j'ai pas de go. J'ai pas de meuf, là, tu vois. Et oui, j'ai une crush. Oui, j'ai une crush, mais c'est un petit crush. Est-ce qu'il y a un différent level de crush? Par exemple, est-ce que je peux avoir un petit crush maintenant et du crush? Je sais pas. Ok. Chill. Toi, t'as un crush ou pas? Non. Ok. Oh. En plus, quelqu'un a demandé, est-ce que j'ai un crush? C'est pas moi qui dis. Non, je vois les crushs. T'as un crush ou pas? Non. T'as une go? Non. Ok. Oh, la dernière question. C'est la dernière question. Tu dis la dernière? Ouais. Ils n'ont pas posé beaucoup de questions, mon frère. Je vous ai demandé de poser des questions. J'ai eu genre 30 personnes qui ont posé des questions. Juste, la prochaine fois, quand je vais faire une FAQ, surveillez mon community tab et allez écrire des questions. Allez spammer des questions, tout ce que vous voulez. On va répondre à tout, en toute transparence. Donc, la dernière question est, on tombe sur une question qui frappe. Parce que là, c'est Bijou qui va y répondre, ok? Bijou, c'est toi qui vas y répondre, hein? On va voir comment tu vas répondre. Junior. Tu gagnes combien par mois sur YouTube? Mais réponds. Réponds. Tu dis que je mens, non? Maintenant, parle. Entre. Il dit que je mens. C'est toi qui va parler. Entre. Combien je fais sur YouTube? Entre. Entre.
500 et 2500 par mois sur YouTube, dollars canadiens. Je vais rectifier cette tranche-là, elle est complètement erronée. Je fais entre 100, entre 100 et 900 balles par mois sur YouTube. Dis. Et donc c'est ça les gars. Et puis. Qu'est-ce que tu dis? Bon, il fait entre 1 et 100 dollars sur YouTube. Là t'abuses là. Mais c'est toi que tu mens alors. Ok bref les gars. Attends, peu non, importe non, tes tranches. Va montrer. Même si je fais entre cette tranche là, je dépense beaucoup aussi dans les vidéos profondes. Ouais. Je dépense beaucoup. Dans les dégustations. Les bouffes, c'est pas gratuit, les gars. L'essence. Quand on va acheter les bouffes et tout, là, c'est pas gratuit. Donc là, l'essence. Disons pour les dégustations, pour déguster des bouffes l'essence. Pour la première fois. Ouais, l'essence. Je dépense peut-être 60 balles par dégustation. Les cadeaux, ouais, des choses comme ça. Les des fois, bah ouais. Attends, l'essence aussi, parce que l'essence, c'est pas gratuit, les gars. Quand on conduit une voiture, il faut mettre de l'essence, il faut mettre 60 balles par conduite et tout. Des fois, le tournoi de basket coûte de l'argent. Tournoi de basket de bijoux, des fois, quand j'y vais, il faut payer l'entrée. Des fois, je conduis bijoux. 30 minutes de route à 2 jours d'affilée pour aller à ces tournois. D'ailleurs, je n'ai pas filmé ces matchs pendant un bon bout de temps. Donc, si vous voulez que je filme, écrivez dans les commentaires. Donc, je dépense énormément pour les vidéos et tout. Et ce n'est pas comme si, genre, quand je dépense, je suis comme, oh, je serai pas en bénéf. Oh, je dois arrêter de tourner. J'aime ça dépenser aussi. Tu vois, genre, j'aime ça mettre de l'argent dans les vidéos pour faire de belles vidéos. Tu vois, donc, ce n'est pas comme si, même si je dépense, disons, en un mois 600 balles et je fais ce mois-là sur YouTube. 700 balles, je trouve, oh, je suis en perte, j'ai pas fait beaucoup d'argent, oh non, c'est pas ouf, tu vois, genre, je le fais pas juste pour ça, tu vois, donc c'est pour ça que j'aime ça dépenser dans les vidéos et tout, donc peu importe le montant que je fais, par moi sur YouTube, on le remet toujours en vidéo, tu vois, on le remet en vidéo, on le redépense, on fait des dégustations, on dépense 100 balles, on dépense, on fait que dépenser et tout, donc c'est ça, ça fait ça, tu vois, ça fait ça, donc. C'est ça, donc c'est une belle tranche, écrivez dans les commentaires, c'est quoi le chiffre exact selon vous, mais il n'y a pas vraiment de chiffre exact, à tous les mois. Il y a une petite tranche. Il y a une plus petite tranche. Toi, t'as dit entre 500 et 2500. C'est ça. Bref, ouais, vous pouvez essayer de trouver une tranche là dans les commentaires. Ben, pas le exact, mais genre une tranche plus petite. On vous a donné une tranche assez large là. 500, 2500. Ah, moi, on m'appelle, je vais la rappeler là. J'attends 2 minutes, s'il vous plaît, moi. 2 minutes, on finit. Neveu. Merci. Allô? Ça va bien? Je suis avec Bijou. Ok, bye. Tu viens chercher? Ouais. Ouais, vu qu'on va aller chercher. Qu'est-ce que je disais là? On parlait des tranches. Tranches. Donc, c'est ça. Essayer de devenir la tranche exacte. Et dites-vous qu'il y en a qui font de ouf sur YouTube. Michou. Oh purée. Squeezie encore plus. Oh. Mr Beast, lui c'est un autre level parce que lui aussi il dépense genre 1 million de vidéos, 1 million de dollars par vidéo. Mais c'est, il gagne plus. Parce qu'il dépense 1 million, il fait 3 millions, 4 millions. Il fait aussi des sponsors. C'est ça, des fois c'est les sponsors qui payent pour lui. Qui payent les vidéos pour lui. Oh c'est vrai. C'est ça. Des fois il dépense rien. Il dépense rien dans la vidéo, il met à l'avant. Pendant la vidéo. En plus il met bien les sponsors dans la vidéo. Il est comme ça. Ah, je vais vous parler de ça. Vous avez vu ça? Ça vous dit avant ça. C'est tout. Oh c'est ça. Donc, il nous en paye. Là, en soi, ouais, il met juste dans la vidéo et il gagne de l'argent. Ça. Par vidéo, il paye un bénéfice de genre 6 millions de dollars. Bon. C'est fou ça. Donc imagine Inox, Michou et tout. Mais bref. Ouais. On est peut-être. On peut dire qu'on est un petit poisson dans l'océan là. Parce qu'il y a des gros poissons là, il y a des gros, comme ce que je fais actuellement. On est des crevettes. Crevettes? On est des crevettes. Crevettes, c'est... C'est les plus petits, genre? Peut-être pas les plus petits. Les petits, c'est peut-être genre les bactéries. Ok, on est pas une bactérie. Mais ouais, je pense qu'on est une crevette, les gars. Crevettes ce qu'on fait, comparé à ce que certains font... Les baleines font, les baleines. On est une crevette comparé à eux. Mais tu penses que dans quelques temps, on pourrait devenir un poisson? On pourrait devenir un poisson. Ouais, un tilapia. Non, même pas ça, c'est trop gros. Ou un petit poisson. On pourrait devenir un petit poisson plus tard. Après, moyen poisson. Moyen. Grand poisson. Après, un requin. Requin. Après ouais. baleine. Requin-baleine. Ouais. Après, bref, vous m'avez compris. C'est ça. J'ai fait une tranche. C'est ça. Mais en vrai, si je ne dépense absolument rien dans les vidéos, là, je pourrais boire du. Ouais, mais les vidéos seront moins bonnes. C'est ça. Si t'as moins de budget. Ah, c'est pas une affaire de budget, c'est une affaire juste de dépenses.
Mais t'as pas besoin de dépenser de l'argent. Il y a des vidéos, comme ça, il y a des vidéos qu'on fait, on dépense pas d'argent du tout et elles sont cool, tu vois. Oui, je sais. Mais il y en a d'autres que genre, j'ai envie de faire des activités. Ah oh, ouais, en sortant, il fait chaud. Pourquoi il fait chaud? Il fait bien frais ici. Je suis fou alors. Il fait frais ici, on est à l'intérieur, il fait frais l'air là. Moi j'ai chaud. Ok, bref. Qu'est-ce que je disais déjà? Ah ouais, si je dépense absolument rien, là je pourrais voir comme l'argent YouTube, je pourrais bien le voir, mais là je le vois pas vraiment de ouf parce que je dépense beaucoup. Je dépense, vous voyez pas, mais je dépense de fou derrière. Donc combien de vous voulez que je fasse une autre FAQ? Parce que la dernière que j'ai fait, c'était il y a à peu près un an et demi. Il y a un an et quelques. On en fait une maintenant. Dites dans combien de temps vous voulez l'autre? Dans 5 mois, 6 mois? Abonnez-vous. Plus on a l'idée.